On se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY test de produits action. Donc on va tester ce produit-ci, donc c'est la cloche, vous savez, la cloche en verre de Noël. J'en ai acheté trois, j'en ai testé une déjà que je vais vous montrer, je vais faire celle-ci avec vous. Et j'en ai une autre encore que je vais faire je ne sais pas quand, mais voilà. Donc je vais vous montrer celle que j'avais déjà faite et je vais vous dire ce que je reproche à ce truc. Donc elle se présente dans ce sens, donc comme ceci, voilà. Et quand on allume, ça fait ça, voilà. Donc moi ce que je lui reproche à ce truc, c'est que enfin, c'est hyper bien à faire et tout, mais la colle, je suis désolée, mais clairement elle ne colle absolument rien. Voilà, donc si vous faites ce truc, faites-le avec de la colle chaude ou de la colle forte, parce que je vous le dis, ça ne va coller absolument rien. Donc voilà, moi c'est ce que je retiens de ce DIY, mais sinon c'était très cool à faire, mais un peu galère. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans le kit, et ensuite je vais vous montrer ce que moi je vais rajouter. Donc j'ai fait chauffer mon pistolet à colle. Donc dans le kit nous avons deux trucs en bois comme ça, donc on a un comme ça et l'autre avec le foil. Voilà, ils n'utilisent pas tout, moi je le garde, je sais pas, ça c'est pratique. Ensuite, oui, parce que moi ça a été un peu défait. Dans leur kit, vous avez du coup le support en bois de la du truc. Alors attendez, bref, vous avez le support en bois comme ça. Vous avez la cloche qui a pris de la poussière d'ailleurs, mais elle n'est pas en verre, c'est du plastique dur quoi, c'est pas en verre. Donc la cloche comme ça, un sachet de fausse neige qui est plutôt pas mal, des piles, voilà, j'ai mis un moment à comprendre avant comment ça fonctionnait, mais c'est bon, j'ai compris. Un morceau pourri avec je sais pas trop ce que c'est, si c'est de la colle ou de la peinture, mais en tout cas ça ne colle absolument rien, donc à ne pas utiliser tout simplement. Voilà, et moi j'ai rajouté du coup deux petits trucs comme ça, voilà, ainsi que ça que je vais rajouter, celui-ci. Donc voilà, on va commencer, on va faire comme le modèle ici. Ah, moi j'ai pris pour modèle, ben, le modèle quoi, mais eux ils n'utilisent pas tout, donc faites avec la colle chaude, sinon moi je dis que ça va pas coller. Donc il faut d'abord commencer par faire la structure, donc on va tout défaire, et voilà, je vais tout défaire en ski avec vous, et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Thank you.
plus. Pour moi personnellement, elle aura été un peu beaucoup de galère à filmer. Voilà, mais c'était bien. Donc voilà, au final, ce que ça donne, j'ai tout collé sur celle-ci, j'ai mis du ruban et tout. Je vous montre dans ce sens parce que dans l'autre, vous n'allez pas voir. Et si je vous allume la lumière, enfin, vous voyez quasiment rien. En vrai, on voit beaucoup, mais enfin, là, vous voyez quasiment rien. Oh là là, j'ai cassé mon sapin. Voilà, mais ouais. Pour le design, je sais pas lequel je préfère. Je préfère sans doute le rond, surtout que le triangle, mais voilà. Après, ça c'est une question de goût. Dites-moi lequel vous préférez. J'en ai un autre comme ça avec la voiture. Je sais pas si je vais le faire. Si je le fais, peut-être que je le posterai sur Instagram ou pas. Je verrai, mais ouais, je verrai. Vraiment, je verrai si je le fais ou pas, mais on verra. Moi, cette vidéo a été très très galère, on va dire, hein, parce que je sais pas vous, mais je pense que vous m'avez vu galérer clairement. Je vais vous laisser le passage. En gros, j'ai débuté une première fois, puis ensuite, je me suis rendu compte que je m'étais trompée de sens. Puis, du coup, j'ai tout décollé, j'ai tout recommencé, et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas et que c'était eux qui s'étaient trompés de socle. Voilà, donc ben, c'est bon, quoi. Ils sont trompés de socle, mais c'est pas moi. Voilà, donc ben, c'est vraiment débile en fait. Mais bon, c'est pas gênant, j'ai réussi quand même au final. Hein. Donc voilà. Et je sais plus ce que j'allais dire du coup, mais voilà. Du coup, j'ai encore commencé, j'ai cassé un des cadeaux, enfin je pense que ça se voit. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste de cette boîte? Il m'en restait 3 normalement, mais du coup il me reste 2. Voilà ce qu'il me reste. Donc ça, je les garderai, hein, c'est des formes de bois. Et ça, c'était de ce truc-là qui me restait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai bien bien ah, il me reste ça aussi. Voilà. J'ai bien bien mais c'était un peu galère, mais bon. Ben, faut galérer dans la vie, donc voilà, mais c'est un peu chiant quoi. Mais c'est pas très grave. Donc, surtout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!